Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce qui, je le sais plus tellement, mais à chaque 5 épisodes de la nouvelle série de Bleach, je me suis dit que je pourrais faire une petite review de ces 5 épisodes-là et de juger est-ce que cette adaptation va dans le bon sens, est-ce que on réussit à sauver le dernier arc de Bleach. Je le fais parce que c'est une vidéo qui, je pense, va être plaisante à faire et aussi une redondance récurrente, parce que je vous cacherai pas que les sujets sont moins faciles à faire facilement. Il faut plus d'investissement et c'est le temps qui manque à ce niveau-là. Donc, les 5 premiers épisodes. On peut commencer par le générique. J'avais parlé qu'il fallait que le générique soit à la hauteur. C'est pas un générique qui est mauvais, mais honnêtement, si ça c'est leur premier nouveau générique, j'espère que ce sera pas pire par la suite, parce que c'est pas un générique spécialement si enlevant. La musique, elle est correcte. Quand éventuellement le refrain des morts, ça part un peu mieux. Mais bon, on n'a pas beaucoup de séquences de combat vraiment super exaltantes. Quand on voit les capitaines et qu'on a cet effet-là de noir et blanc avec du mauve à l'arrière, c'est un choix artistique, mais qui ne rend pas justice à la série, comme par exemple voir les flammes de Yamamoto en noir et blanc. Ben, c'est moins enlevant que les voir en couleur. Disons que ce Yamamoto-là est moins impactant que le Yamamoto dans Rainbow Melody, le 13e et meilleur générique de Bleach. C'est dire. Donc, on n'a pas. C'est pas un des meilleurs génériques de Bleach. Ce serait même pas, à mon avis, dans le top 5. Surtout que ça spoil quand même beaucoup, hein. On voit tous les Stone Riders, notamment Ichida. On voit aussi même ceux qui sont proches de lui. On voit la Division 0 aussi, très brièvement. C'est très brièvement, c'est appréciable. On peut soulever le fait qu'à un moment donné, il y a Ichigo qui parle à son holo, dans une forme qu'on ne l'a pas souvent vue. C'est appréciable, ce petit passage-là. Mais globalement, c'est un générique que je n'aurais pas de honte à passer. Maintenant, pour la série en elle-même, on peut commencer par la direction artistique puis la qualité d'animation. Je pense qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose d'un peu plus cinématographique. On le verra aussi peut-être au niveau de la gestion du rythme. Il y a une réalisation peut-être un peu plus poussée. On dirait vraiment que c'est comme si on avait pris un film et qu'on avait fait des épisodes. Ça fait que c'est très rythmé. Un peu trop, je trouve. Mais ça en jette, mais quand même pas autant qu'on voudrait. Les séquences de combat, pour l'instant, des 5 épisodes sortis, il n'y a rien de spécialement enlevant. Il y a même un échange à un moment donné entre Ichigo et Kirge OP, je me souviens plus de son nom, qui est pas spécialement exaltant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de séquence de combat qui est particulièrement flamboyante. Aussi, le fait que les couleurs sont désaturées, ça m'énerve un peu. Ça fait en sorte que comme il y a vraiment une différence marquée entre le premier Bleach et ce Bleach-là. Ça m'énerve. On dirait qu'on fait désaturer pour qu'on dise « Oh, c'est plus grave, c'est plus sérieux. » Ça m'énerve. On dirait un peu un filtre. Honnêtement, j'aimerais voir une version de cet animé-là, mais quand on a rehaussé les couleurs pour que ce soit plus fidèle au produit original. C'est un choix artistique. Moi, ça m'énerve un peu. Mais globalement, c'est vraiment bien fait. Par contre, on a des fois des apparitions de CGI, surtout pour les holos. C'est pas parfait à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est niveau séquence de combat. Pour l'instant, il n'y a rien eu de spécialement exaltant. On attend peut-être le combat avec Yamamoto Genlusai, mais vraiment, même la performance de Yamamoto face à l'autre qui utilise le Bankai de Shinjiro, c'est assez expéditif. Comme le passage, la valeur ajoutée manga versus animé, je trouve qu'elle n'est pas pleinement là pour les scènes d'action. Maintenant, on peut parler des ajouts. On va vraiment se concentrer sur l'adaptation en tant que telle, pas vraiment tant sur l'histoire, quoique je vais en parler un petit peu. Fait que, niveau adaptation, je voulais qu'il y ait des ajouts et il y en a, mais il y a aussi des éléments coupés. Donc vraiment, ils n'hésitent pas, mais j'ai encore des petits bémols. Par exemple, premier épisode où on passe vraiment beaucoup de temps sur secourir les deux Shinigami Lambda. Ichigo qui nous sort le Bankai juste pour qu'on ait le number one. C'est un peu forcé. Également, d'autres éléments notables, je pense. Rajout. On a droit à une séquence flashback de Harry Bell qui affronte Juabak et les Quincy. Mais au final, hein, c'est juste elle qui est déjà presque vaincue et qui leur dit de fuir et qui leur fait face et bang, elle est vaincue. De Juabak qui est juste dans les airs en train de rien faire comme « Oh, je suis une affaire puissante. »
Et à mon avis, ça, c'est un peu dommage, je leur dirais, ce début d'arc avec Jua Back. Je détestais ce personnage-là, on comprend pas comment il fait ce qu'il fait. Il tue les Quincy sans même bouger un petit doigt. Les Arancors, excusez-moi. Et tu comprends pas. Et tu comprends toujours pas comment il a vaincu en fait Aribel. Tu fais juste dire, ah ben il était plus fort qu'elle, j'imagine. Hein? Et c'est un peu le problème, souvent cet arc-là, on utilise beaucoup le pouvoir du hors-champ. C'était déjà le cas à la base, ça l'est encore en ce moment, notamment Zaraki Kampachi contre Jua Back clone. Il n'y a toujours pas d'ajout. C'est vraiment juste comme, je vais te battre et j'étais battu. On ne le montre pas parce que ça aurait juste pas marché en fait. On conçoit mal comment ça a pu se produire. Et aussi, il faut le soulever, même si ça c'est dans le récit de base. Jugram qui est comme, ah, je savais que t'étais un monstre avec Kampachi, mais je comprends mieux maintenant. T'es plus fort probablement que le clone de Jua Back. Fait, pourquoi est-ce que tu t'émoustilles? À quoi bon? C'est vraiment juste pour comme faire croire que Zaraki était vraiment très fort, mais que finalement, ah non, il a été vaincu par Jua Back. Mais c'est pas naturel que Joe Graham dise ça. Autrement, ajout drôle par exemple, hein, y a un peu plus de passage avec Nell qui justement parle d'Aribel pour peut-être justement montrer plus le fait que Aribel prenait sous sa garde les différents Arancors. Mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a des moments coupés, notamment. Les funérailles de Shoichiro, le lieutenant de Yamamoto. Le problème avec ce début d'arc-là, avec cette mort-là de personnage, c'est que c'est un personnage qu'on s'en foutait complètement. On ne le connaissait pas. Le dernier moment qu'il a eu à lui, c'est lorsqu'il s'est fait défoncer la gueule par Ichigo en Shikai normal. C'est pas un personnage qu'on était particulièrement attaché à. Et dans le manga, Taikubo voulait rattraper le coup. On avait une petite discussion entre Renji et Byakuya, comme quoi hey, il a voulu rester le lieutenant de Yamamoto malgré tout. Il a caché son bankai, il le montrait pas. Il n'avait que. Il louait vraiment volonté sans fin à Yamamoto. Donc, c'est un peu maladroit, mais c'était pour comme dire hey, durant l'enterrement. Soyez triste, hein. Il était vraiment dévoué, là. On le dit après coup, là, mais voilà. C'était maladroit. Au final, je trouve que ça ne fonctionnait pas vraiment, mais je peux quand même saluer l'intention de vouloir faire quelque chose. Dans l'anime, ils ont choisi d'aller plus sobrement, vraiment très sobre. De mémoire, je pense que c'est une séquence de 15 secondes, très silencieuse, avec juste Yamamoto qui comme perçoit, si on veut, le dernier respect que lui vend son lieutenant, et bang, on met feu à la dépouille, c'est fini. Je trouve que ça, peut-être qu'il fallait pas le couper ou l'amener autrement. Je pensais qu'il allait peut-être l'amener avec le flashback de leur première rencontre, le premier affrontement, sa première révélation de Bankai. Non. Par contre, il y a un ajout, on voit le Bankai un peu plus en action. Pas des tonnes, mais un peu. C'est quand même appréciable à ce niveau-là. Dans le manga, il n'y avait à peu près rien. Mais n'empêche, ils auraient pu développer un peu plus à ce niveau-là. Et également aussi, ce qui peut être appréciable, je suis pas mal sûr, en fait, je suis pas entièrement sûr. Je pense qu'ils ont juste déplacé cette scène-là pour qu'elle soit là et qu'elle corresponde un peu mieux. On a Ichida qui fait ses recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à propos des Quincy. Et une altercation par deux fois avec son père. Je me souviens plus si c'est dans le manga, mais j'ai vérifié. Clairement, ce n'est pas à ce moment-là du récit. C'est peut-être plus tard. Ils ont voulu le mettre là maintenant. Ça va bien. Ce qu'on peut soulever aussi à travers la tentation, c'est vraiment que c'est très rythmé. Je le redis, on dirait vraiment qu'ils ont déjà juste fait le film. Et que bang, on vous replonge ça en animé. Le récit prend pas énormément de temps de respirer. Tout s'enchaîne un peu trop rapidement, je trouve. Hein, ce que je trouvais interminable en chapitre, je sais pas c'est combien, a été résumé en 5 épisodes. Parfois, on prend un peu plus son temps, mais généralement, c'est vraiment très rapide. Et un peu trop même. Comme par exemple, Byakuya, sa peut-être possible mort. On tente de la jouer un peu émotive, mais à mon avis, on prend pas assez le temps de, comme s'ils avaient peur ou ils se disaient vraiment faut qu'on réussisse à régler ça en 52 épisodes alors que techniquement il faut qu'ils fassent plus. Je suis pas sûr si c'est confirmé que ça va être un modèle 12 ou 13 par saison puis après ça on recommence. C'est peut-être ça qu'il est dit qu'il faut vraiment qu'on finisse à ce moment clé là, mais je trouve vraiment que ça va un peu trop vite. On prend pas le temps de pleinement apprécier ce qui se passe. Également, l'arc corrige grosso modo. Ben, il y a un autre ajout que c'est vrai, je voulais soulever, mais qui, juste après, fonctionne plus ou moins pas. Dans le manga, un des problèmes, c'est que les capitaines sortent très rapidement leur bankai.
De mémoire, il n'y a pas vraiment une scène qui explique tant pourquoi. Juste comme, ah, on n'arrive pas à les vaincre sans notre Bankai. Peut-être qu'on l'a pas vu, je sais pas trop quoi. Mais même que dans le manga, ça marche pas tellement parce que Byakuya débarque et dit, ah, quoi, on peut pas les blesser, c'est pas vrai. Et là, bang, il réussit à le blesser. Et après coup, il n'y arrive plus finalement. Ok, donc la première fois, c'était un coup de chance. Et après, non. On l'adresse pas vraiment l'enjeu de comme, qu'est-ce qui se passe. On voulait juste crédibiliser que comme, ah oui, finalement, il est pas capable de les vaincre. Mais ça jouerait un peu avec la scène de Byakuya qu'il y avait juste avant. Il était capable. Mais au moins, on a ajouté ça pour... Encore une fois, c'était très rapide, mais au moins on comprend un peu plus pourquoi ils disent « Ah, faut qu'on sorte nos Bankai. » Donc c'est un ajout quand même agréable. Fait que, au global, jusqu'à présent, c'est là que j'ai un petit peu une réticence. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment qui sauve cet arc-là pour l'instant. On a à peu près les mêmes défauts. Jouabak qui est vraiment inintéressant et pas très... Comme « Ah, je tue mes hommes de main pour aucune raison » et blablabla. Pas super agréable comme méchant. Les Stand Rider aussi ne brillent pas tant pour l'instant. Donc, c'est bien, je salue quand même. Il y a des ajouts, il y a des omissions parfois qui font un peu plus mal. Donc, au moins, pour l'instant, il y a quand même, on se dit, si t'as écouté le manga, ben, écoute l'anime, c'est quand même peut-être assez différent pour que tu les remarques quelque chose d'intéressant. C'est assez différent pour pas juste être exactement la même chose. Mais j'espère vraiment qu'on va pousser plus loin. Je leur ai dit, Jouabak contre Ozaki Kenpachi, j'aurais aimé ça qu'on voit peut-être un peu plus du duel. Il faut qu'ils prennent un peu plus leur temps. J'ai l'impression, par exemple, que ça va pas être le cas. On peut soulever, la violence est là. C'est pas censuré pour 3 sous. Ça fait plaisir. Mais n'empêche que pour l'instant, ça demeure quand même cet arc qui n'était pas super. Et vont-ils faire des changements plus majeurs? J'espère que oui. Donc, pour l'instant, j'ai des petites réticences, mais ça reste à voir. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé des 5 premiers épisodes de Bleach, de Blood Warfare? Est-ce que pour l'instant, c'est à la hauteur de vos attentes, ou comme moi, vous vous dites que ça aurait pu être mieux? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je déménage bientôt, donc il y a très certainement une semaine que je vais prendre de congé pour le déménagement. Et on approche bientôt des 5 ans de la chaîne, donc... Je me dis que je pourrais peut-être faire une vidéo célébration, faire un retour sur mes vidéos qui m'ont été les plus inspirantes, ou s'il y a des suggestions, ça pourrait être une vidéo FAQ. C'est sûr que hein, je suis très réaliste. D'ici là, je ne m'attends pas à avoir 10 000 questions, mais si vous avez des questions, ça pourrait être ça, sans problème. Demandez, et si je peux, je donne. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Oui. Zaraki Kenpachi. Nemure. 1000年ぶりじゃな, Junha Bakka. Onushi no iki no me o tome ni kita.